Bonjour à tous, c'est GLG, Lady and Gentleman, attachez vos ceintures, le JT Geek commence, et je vous souhaite la bienvenue, allez, pour ce nouveau JT du Geek. Alors aujourd'hui je vous présente un casque gaming, en train de voir, en fait j'ai baissé un peu les stores, parce que comme ça tu vois mieux en fait. Bon bah c'est un casque gaming de la marque Onikuma, dis donc, c'est pas facile, Onikuma, voilà. Donc c'est leur nouveau, c'est le K18 Pro. Je vous fais pas vue dessus la boîte et tout, parce que bon, il n'y a pas non plus grand chose et tout. C'est un câble, en fait, on avait déjà testé un casque de chez eux et tout, qui est pas un casque exceptionnel, mais qui est un casque à 20 balles. Donc du coup, pour 20 balles, on va se rendre compte que, bah, en fait, ça fait bien le taf, et que, bon, il a quand même des arguments. Alors, vous l'aurez vu, bon, sur le côté LED, voilà. Donc du coup, ça c'est pour le côté. Alors vous pouvez les allumer, les éteindre. En fait, c'est le même principe qu'on avait vu sur le casque avant, et ce qu'on voit un petit peu dans la config... Il tente de nous expliquer. Alors attendez, c'est pas là-dessus. Voilà. Donc tu vas pouvoir le brancher sur ton PC. Alors en fait, il se branche comment? Soit avec il y a une prise jack et après il y a un embout de prise jack. Il y a après une jack pour le micro, une jack pour l'audio. Donc soit tu le branches comme un truc classique sur ton téléphone ou n'importe quoi. Voilà, en audio sur ton ordinateur, sur ton laptop, ça fonctionnera très bien. Ensuite, tu as une prise pour le micro. Donc là, tu branches et automatiquement, bah, le micro est reconnu par le PC. Là, après, tu vas dans les réglages, tu mets changer le micro, machin. Pareil pour le casque. Ça, c'est pour la partie classique. Ou alors, tu as un jack qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire que soit tu as le double audio et vidéo, soit tu as le câble classique qui, lui, se permettra directement de mettre sur ton smartphone. Parce que pareil, sur le smartphone, lui, il reconnaît l'audio, le micro, machin, via une pin avec plein de broches. Voilà. Et ensuite, sur le côté, il y aura une prise USB qui te permettra d'allumer les LED. Ce qu'on voit directement, c'est-à-dire que moi, mon PC, il est à côté, tu vois. Si j'enlève la prise USB... Ah, elle est un peu courte. Hop là, ici, tu vois. Ici, donc du coup, t'as plus les LED. Donc en fait, la prise USB ne sert qu'à ça. Oh oui. Voilà. Elle ne sert qu'à ça. Ça veut dire que du coup, soit tu branches ton truc sur ton casque, et bah t'auras un casque audio très très sympathique. Pas exceptionnel, hein. On a vu mieux. On a vu pire aussi. Mais voilà. Et après, bah, si tu mets la prise USB, forcément, la prise USB ne servant qu'à alimenter les LED. Donc une petite LED qui est... En fait, il y en a deux, fais voir. Ah ouais. Soit deux petites LED qui se mettent là comme ça, donc ça permet d'allumer un petit peu, voilà, ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, et après, bah, je veux dire, ça reste un casque classique. Donc soit tu mets l'USB, ça s'allume. Alors le casque ne fonctionne pas en USB tout seul, c'est un peu la déception qu'on avait eu avec l'ancien, c'est-à-dire que je m'étais acharné, je m'étais battu avec en branchant USB, en pensant que le casque allait être reconnu, non. L'USB ne sert que d'alimentation pour allumer les LED. Pour l'audio et la vidéo, il faut traduire soit la prise jack, qui fait les deux en un, soit le Y, voilà, le Y, faut trouver la lettre, oui, puisque A c'est nul, après ça revient au milieu, donc le Y, ça veut dire que t'as un câble, et après t'as l'audio et la vidéo. Bon, au niveau du câble, il est vendu sur Amazon, 24,99$, ça fait 21€, bon après, c'est un peu plus cher que ce qu'on pourra trouver après sur AliExpress, mais encore une fois, c'est Amazon. Ça veut dire que c'est livré par Amazon. Par Amazon, t'auras pas de douane. Et si t'as un problème, je veux dire, Amazon, ils sont assez, assez cruels avec les vendeurs, mais assez bons avec les acheteurs. Donc le casque, oui. Après, bon, bah ça, c'est votre petit. Bah ouais, là, tu m'entends plus. Ah bah ouais, mais dis donc. Voilà. Sur le truc, t'auras une télécommande. Alors, une télécommande qui te permettra de couper le micro. Oui, non, mais c'était un sketch. Mais bien sûr que je parlais pas, je faisais semblant. Même moi, je faisais... Voilà, comme ça. Mais bon, je me suis dit que ça allait beaucoup les amuser. Ah, il a oublié. Voilà. Oh, le con et tout. Voilà, je sais. Après, voilà. On aura donc un petit bouton qui permettra d'allumer et d'éteindre le micro. Si jamais bah, tu veux rester un peu en mode... Bah, si t'as envie de dire des gros mots, par exemple, t'es en train de jouer. Ou ta mère t'appelle. Attends, tu me bloques. Ouais. Maman, j'arrive, putain. C'est moi qui finis ma partie, merde. Et après, tu remets le micro. Ouais, alors les gars, faut avoir que j'aille manger. Madame, tu vois. Voilà, bon. Tu connais malheureusement trop le trop le truc. Après, tu auras un bouton pour pouvoir régler le volume ici, donc volume machin. Bon, au niveau du son, si on doit parler un peu du son, parce que bah, c'est un casque audio, ça va. En fait, ça va. En fait, on est plutôt sur un son médium, bas médium et un peu basse. Tu vas me dire, ouais, mais moi j'y comprends rien. Bon, les médiums, c'est les voix, tu vois, ça c'est ma voix. Bon, même si j'ai une voix quand même un petit peu grave, suave et slave et croate. Non, c'était quoi? C'était quoi la blague qu'on faisait sur... C'était... serbe. Est-ce que t'es serbe? Voilà. Pas du tout. Non. Tavaliche. Donc du coup, le son, il est plutôt médium. Ça veut dire au niveau des graves, on est bien. Au niveau des médiums, c'est pas mal. Au niveau des basses, pas mal. Il y a des petites basses qui sont assez...
correct, pas exceptionnel, encore une fois, c'est pas du beat avec des basses trop dominantes, c'est pas un truc pour écouter du peura, tu vois, ou de la techno, machin, tout, voilà. On a des bonnes basses, on a de bons graves, c'est sympa. Après, au niveau des hauts médiums, ça veut dire des voix qui vont commencer à devenir un petit peu, tu vois, comme ça. Bon, ça va aller, et après tout ce qui est aigu, bon bah là on se rend compte que le cast n'est pas du tout à l'aise, ou en fait c'est un cast certainement pour jouer, donc on est beaucoup plus sur de la basse et de l'explosion que sur de la musique classique. On est un peu d'accord. Voilà, donc le cast fonctionne du coup un peu avec tout, oui avec ton PC, oui parce que tu le mets bah, jack audio, vidéo, machin, il fonctionnera avec ta PS4 bah, pour les mêmes raisons, avec ta Xbox ou avec ta Xbox One S, tu vas pouvoir le faire, oui, après est-ce que tu auras une prise USB à chaque fois derrière ta console, bah, dans ce cas oui, tu pourras allumer les LED, sinon en même temps tu peux mettre une batterie externe, hein, ou alors tu peux le mettre un peu à des mains. Ce que j'aurais bien aimé, c'est la longueur du câble. Non, parce que j'attends Kerry Express qui doit me livrer des trucs pour ça. Je suis un peu sur le kiwi. Le câble, alors il fait 1,5 km. Je l'ai mesuré. Regarde. Regarde. Non, mais t'imagines un peu. Regarde. Ça veut dire que tu peux, bon, par exemple, faire un live comme ça, complètement en extérieur, ici, et te dire. Bon, bah, le PC, il est quand même bon. Moi, j'ai mis la tour juste à côté de mon écran. Mais, et encore, il y a un petit nœud là, dans les cheveux. Voilà, si je le mets là, comme ça, là, bon, on est quand même putain de loin, c'est ce que je veux dire. Bon, après, l'intérêt d'avoir une chaise à roulettes, voilà. Mais, bon, est-ce que ça a de l'intérêt? Oui, ça a de l'intérêt. Attends, je reviens, bah oui, je sais que je te manque. Est-ce que ça a de l'intérêt? Oui, parce que si ton PC, il est un peu loin, ou c'est dans un truc où les machins sont centrés et tout, bon, et que t'es un peu loin, ou que tu veux aller... Ou que tu veux aller manger, tiens, bah tu vas manger, tu te mets la table à côté, tu bouffes, tu finis. Tu vois ce que je veux dire? Donc le câble est plutôt bien. Après, bon bah au niveau des oreillettes. Ah ouais, c'est vrai qu'elles se règlent plutôt bien. On peut régler 15 degrés, ça c'est pas mal. Le l'arceau. Ah oui quand même. Je veux dire, en plus j'ai la casquette, imagine. J'ai la casquette et bon, je veux dire, même si t'as une grosse tête, ou si t'as l'intention de la prendre. Je veux dire, bon, imaginons, t'as pas encore la grosse tête, t'as une petite tête. Tu mets comme ça, et tu dis plus tard j'aurai une grosse tête. Donc je vais prendre la grosse tête. Hop, tu sais que t'es avec ton casque, t'es plutôt bien. Bon, au niveau de la finition, bah, c'est du plastoc, hein, en même temps. Voilà. Mais ça va en fait, c'est pas. J'ai vu pire, franchement j'ai vu pire. Et j'ai vu plus branlant. La marque fait quand même de beaux petits produits. Nanana, ça c'est une espèce de silicone plastique et tout, c'est très bien. Le truc on peut le tordre, tu vois. Il y va franco, hein. Ah ouais. Je peux le mettre. Ouais, ça tient. Ça va. Ouais, bah, il dit. Eh, sinon, c'est pas la peine de mettre dans la vidéo si on peut pas le faire. Bon, il a un peu de traviole maintenant. j'ai mis... Bon, je suis peut-être allé un peu fort. Ok, bon, d'accord. Non, ça va. Non. Bon, oh, putain, il est vachement large maintenant. Oh la vache. Ouais, bon, bah, voilà. Bon. Ah ouais, bon, peut-être aller un peu fort. Mais faut attendre que le plastique se régénère de lui-même. Non, non, il est un peu plus large. Avant, il était un peu plus serré comme ça. Et là, on sent que. Oui, bon, t'es peut-être pas obligé. Le but, c'était de te faire voir que t'es pas obligé de vouloir absolument mettre les trucs, tu vois, sur la même ligne d'horizon. Mais bon, voilà, c'est la preuve qu'il est flexible. Super deep bass, oui, je ne suis que trop d'accord parce que. Alors, oui, merci. Alors, je suis pas convaincu qu'il y ait autant de haut-parleurs comme ça. Il y en a qu'un, mais avec un son qui est plutôt large. Donc oui, ah oui, en fait, c'est un bon petit casque. Après, je vais pas vous rester 1h30 là-dessus, parce que ça fait déjà presque 20 minutes. Le casque est vendu là. On l'a trouvé également chez le fabricant Okinuma à 16,88€. On va voir si je mets Chine. 17€, 16,88€. En noir. C'est quelle couleur? Bleu. Bleu retail. Red. Ah oui, d'accord, c'est les LED, simplement. Oui, bon, après. Bon, bah, 17 balles. 17 balles en import Chine, alors, bah, avec les inconvénients, hein. Et 17 balles, c'est hors taxe. Et ça va mettre un peu un mois pour arriver. Et s'il y a un problème, c'est la Chine. Faut le renvoyer là-bas, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, 17 balles, t'aurais même dit, bon, on est là pour niquer la planète, poubelle, achète un autre. Mais, bon, l'intérêt d'Amazon, c'est les intérêts d'Amazon. C'est qu'en plus, si t'es Prime, tu l'as demain. Enfin, bon, voilà. Donc, après, pour 4 balles de plus. Alors, c'est pas beaucoup, 4 balles, mais sur un truc à 20 balles, c'est ce que je veux dire. Ça fait quand même 4 balles, ça fait 8%. C'est ce que je veux dire. Non. 40%. Ah ouais, 40%. Ah ouais. Ah, ça fait beaucoup. Ah non. Ah, ça fait moins. 4 balles. 2. 20%. Ah oui, 20%. 20 balles. 20 balles. 20%. 4 balles.
Ouais. Oui, alors j'aurais mis en euros, j'aurais trouvé tout de suite. Voilà, donc un produit qui est bien, qui fait le taf, encore une fois, qui est un casque à 20 balles, qui est le nouveau, il est assez joli avec ses LED, machin et tout. En plus, tu pourras le torturer toi-même et pour faire des vidéos. Ça répond à ce qu'on attendait, il est 20 balles, il a un bon petit son. Est-ce que je ferai les vidéos avec ça? Bah non, je veux dire, j'ai acheté un casque Rode sous les conseils de Teddy, on va utiliser le casque Rode. Mais voilà, c'est un bon petit casque, casque gaming, machin. Est-ce qu'on va le mettre dans la tombola geek? Oui, pourquoi pas. Je rappelle, on fait une tombola tous les mois, tu peux soutenir l'aventure, soit en me payant un café sur Tipeee. Tu vas sur Tipeee, tu me payes un petit café, et à chaque fois que tu payes un café, t'as le droit de participer à la tombola. Et tous les mois, bah, on désigne entre 1 et 4 gagnants qui pourront choisir dans notre panier ce qu'ils veulent. Ce mois-ci, il y a encore un smartphone à gagner, un Huawei Y Max. Il y a une caméra Sport Media 4K, il y a des caméras IP. Puis il y a pas mal de trucs qu'on teste, on met dans le panier. Je veux dire, celui qui gagne, s'il n'a pas envie de... Voilà, qui veut un truc, il dit « Oh, tiens, j'aimerais bien ça, je préfère. » Hop, il prend et puis voilà. C'est comme les mains magiques, mais tu es sûr de gagner à partir du moment où tu étais tiré au sort. Voilà, tu peux soutenir l'aventure en mettant un petit like aussi. Ça, c'est gratos et puis ça fait toujours plaisir. Tu peux aller regarder une vidéo sur YouTube, tu as envie de soutenir l'aventure. Parce que les fabricants, on leur demande des produits, on leur demande pas d'argent. Par contre, on reste intransigeant. Si le truc, on le tord et qu'il nous avait pété dans les mains, on aurait dit, on l'a tordu, il nous a pété dans les mains. Tu vois, on n'aurait pas fait, voilà. C'est le truc, on reste intransigeant, on leur demande pas de thunes. Et du coup, on fait, on dit, par contre, si tu veux nous aider, tu vas sur YouTube, le lien est dans la description et certainement dans les commentaires, dans le premier commentaire de moi-même. Tu vas regarder une vidéo YouTube, ça dure 30 secondes et en fait, on nous rémunère pour le fait que tu aies vu cette vidéo. Plutôt que de regarder, skipper, que tu saches pas, là, tu sais. Tu regardes une vidéo, bim, on touche. Tu regardes pas la vidéo, bim, on touche pas. Et on ne se touche pas non plus parce que on a voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ça sera la vidéo du vendredi. Demain, on essaie de reprendre un peu le rythme. J'attends pas mal de produits plutôt sympas. Puis il y en a d'autres où je peux pas vous faire ça à l'arrache, machin. Il faut que je prépare notamment les filtres GoPro, machin. L'armature pour mettre le smartphone, le truc pareil. Donc, il y a des choses qui doivent mériter un peu plus d'attention. Donc, ça sera tout pour ce vendredi. Si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, bien évidemment, tu mets un pouce en bas, tu lâches ta rage et surtout, tu me dis pourquoi t'as pas aimé la vidéo. Hein, alors après, je sais pas. Tu me diras en commentaire. Allez, paix et prospérité, bonne journée. Ben, forcément, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain, ce soir, pour la quotidienne en différé à 15h. Et demain, pour... alors, quel jour on est? Ah non, on est vendredi. Ah merde. Attends, quel jour on est? Attends, on est vendredi. Donc ça, du coup, c'est la vidéo de samedi. Ah bah non, pas de la quotidienne aujourd'hui. On se retrouve pour la quotidienne lundi. Voilà, à 15h, comme toujours. On parle high-tech, on parle film, série télé et un petit peu de blabla. Et je vous raconte un petit peu les blagues que me font nos partenaires chinois parce qu'il y a quand même de la blague rigolote. Voilà. Abonne-toi aux trois chaînes. GLG Vidéo pour les vidéos. GLG Review pour les reviews. On a du produit d'enfer qui arrive la semaine prochaine. On a commandé des trucs. On a vu des trucs. On a demandé si vous pouvez nous envoyer. Ils ont dit oui. On a des petits produits qui vont vous rendre dingo, qui sont vraiment génial, géniaux, forcément. Voilà, allez, abonne-toi aux trois chaînes, 50 vidéos par mois, il y en aura bien une de temps en temps qui va te plaire. Donc tu t'abonnes aux trois chaînes, tu reçois les notifications en cliquant bien sur la cloche, ça te plaît et tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas et t'attends la prochaine. Avec 50 vidéos par mois, il y aura forcément quelque chose qui va te plaire. Paix, prospérité, bonne journée, et puis sinon, à demain, il y aura certainement des trucs. Bye bye.